There's a fire that I won't slay. There's a fire, but no fire regained. Help our souls tonight. We are losing this fight. Oh, help our souls tonight. Is another one. Et yo tout le monde, c'est Under Axel. Aujourd'hui on se retrouve sur le Let's Build. Donc j'ai décalé les épisodes au samedi, comme ça on aura nettement plus simple à sortir, vu que les Let's Build me prennent pas mal de temps. Comme je vous l'ai expliqué, ça m'a pris au moins deux bonnes heures à faire juste les routes et la déco extérieure. Bon, j'ai un peu été à mon aise aussi, mais ça m'a pris pas mal de temps. Un petit message aussi, maintenant les Let's Build de la map sera disponible justement dans la description. Donc si vous voulez télécharger la map, vous pourrez la télécharger comme vous voulez. Et on va commencer tout de suite avec le bâtiment d'aujourd'hui. Et re tout le monde, donc j'ai un peu avancé. Je sais que vous n'avez pas trop aimé au dernier épisode, donc ici je vais construire avec vous, comme ça ce sera fait. J'ai déjà délimité les bases de la maison qu'on va faire, donc les bases c'est pas trop compliqué, j'ai pas tout à fait compté, mais je vais compter en même temps avec vous. Donc ici c'est 2. On monte ici, on peut cacher comme ça, on fait un peu de diorite ici. On pourrait même casser, ouais, parce que sur le schéma il y a un escalier qui revient aussi comme ça, donc au fond on pourrait mettre comme ça. Ouais, j'ai utilisé de la diorite parce qu'il y a des espèces de pierres taillées blanches et je trouve que c'est ce qui rend le mieux. Donc ici vous allez prolonger ici derrière de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici ce mur-ci il fait 7. Vous montez ici tout au long. Hop. On va placer les vitres de ce côté-ci par après, parce qu'ici je n'ai pas tout à fait de schéma, mais ce n'est pas grave. Donc j'ai oublié de compter avec vous, donc ce mur-ci fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc c'est un mur de 16 de long, j'aime pas trop ça. Et celui-ci fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, j'ai fait du père, ça me plaît pas cette histoire, mais bon, pas grave. Donc ah non, ici c'est 15, je me trompe. J'ai pas compté le premier bloc, donc c'est 16 sur 15. L'avant, bah, vous avez vu, c'est pas le même. Et ici, vous remontez plus ou moins jusqu'à l'avant. Ici, il y a un petit garage, donc histoire de venir mettre son auto. Mais pour le garage, on utilise du bois sur l'intérieur. Donc ici, c'est un bois assez gris comme ça. Donc je pense qu'on va juste utiliser du sapin. Le sapin ça rend super bien avec le moderne, donc on va utiliser ça. Hop. Et hop. Ici on va le monter avec du bois de chêne noir. Et on va faire le même de ce côté-ci. Voilà. Ah non, ici, attendez. Ah, je vais reprendre les anciennes habitudes où je construis et je casse. Donc ce mur-ci, j'ai oublié de vous le dire. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il fait 9 de long. Et au bout des 9, vous pouvez remonter jusqu'à ce mur-là. Comme ça, au moins, on a des murs qui sont déjà faits. Voilà. Donc ça, c'est la forme globale de la maison. Donc ici, ça commence à se bâtir plus ou moins. Ici au niveau de l'entrée on peut mettre des portes en chêne noir, parce que à ce niveau-ci c'est les plus belles, surtout pour le moderne. Je trouve que les portes en chêne noir ce sont les meilleures, enfin c'est mon avis personnel. Si vous en avez un autre, c'est votre choix, ça je m'en fous pas mal. Hop, donc ensuite on va monter
encore d'un étage et on va faire un contour en dépassant à chaque fois de 1 sur tout le long. Hop. Pour rejoindre ici, normalement ici c'est pas censé rejoindre, mais il y a un petit aspect de relief, je sais pas si je vais savoir le donner comme ça. Donc vous faites tout le long, je vais ellipser. Donc au final j'ai un peu modifié le design de base, j'ai juste un peu rehaussé juste un bloc, parce que franchement quand j'ai vu comment ça passait devant la porte, ça passait comme ça, bah, la porte elle faisait quand même un peu minable. Donc j'ai préféré tout rehausser, ça fait nettement plus beau. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien sûr j'ai oublié de remettre la photo sous mes yeux. Attendez que je fasse ça, bien sûr je sais pas sortir de l'écran, bon tant pis. Je vais continuer au feeling, ça je sais très bien le faire. Donc ici il nous faut des vitres plutôt gris clair, ça donnerait un peu mieux. Hop, voilà. Bon, on va placer les vitres. Donc les vitres se placent dans la petite encoche que j'ai faite ici. Hop. Voilà, c'est un peu relou à placer ces vitres là je trouve, mais bon c'est pas grave. Je vais réellipser le temps de reprendre la photo sous mes yeux. Voilà, donc j'ai repris l'image sous mes yeux, ça ira mieux pour continuer la suite de cette vidéo. Donc à ce niveau-ci vous allez réaugmenter la hauteur de 4, ici, vous allez la réaugmenter jusque ici. Voilà, sauf qu'ici au lieu de faire 4, vous allez juste faire 7, vu que cette partie-ci, il y a également, allez, comment expliquer, ceci qui repasse justement devant, donc ça remonte jusque normalement l'entrée ici. Attendez, hein, parce qu'il faut que j'ai 2-3 petits blocs d'appui. Voilà. Donc ça remonte jusque l'entrée du garage. Donc ici vous remontez de 4. Ici vous remontez de 7 pour qu'on ait un petit effet comme ceci. Et ici autour, vous allez placer du bois. Vous allez forcément cacher en dessous, de toute façon la déco c'est pas maintenant. Et vous allez mettre juste 2 de verre ici. Et après de nouveau, ben, on aura comme ceci qui revient au-dessus. Franchement je fais le pattern en même temps que vous, donc je sais pas trop dire ce que ça va rendre à la fin. Mais on verra bien, de toute façon on est quand même là pour tester. Donc ici vous allez reprendre de la diorite, hop, il y en a juste ici. Vous allez reprendre de la diorite que vous allez monter de 2. Hop. Et ensuite ici on referme comme ceci. Et vous allez de nouveau replacer des vitres à cet endroit-ci. Donc pour l'instant la façade donne ceci. Et ensuite ici il y a 2 d'argile. Ensuite vous redescendez comme ceci. Et vous allez replacer des vitres dans le trou comme ceci. Donc pour l'instant ça commence à plutôt bien donné, enfin je trouve, surtout que c'est une image qui est pas très facile à refaire, mais bon ça ce n'est pas le souci, on va continuer tout de suite. Je fais une petite ellipse et re tout le monde, excusez moi j'étais sur pause. Donc ça fait déjà environ 10 minutes que je recorde.
Donc je propose qu'on continue le bâtiment au prochain épisode. Comme ça j'aurai peut-être deux trois petites idées pour continuer le build. Vu que pour l'instant je suis un peu limité, je m'en excuse. Donc on se retrouve au prochain épisode pour continuer. Et regardez dans la description parce que justement la map du Let's Go est disponible. Et...